Bonjour Rémi Féraud. Bonjour. Olivier Dussopt, député socialiste de l'Ardèche, rentre donc au gouvernement à Bercy. C'est une belle prise pour Emmanuel Macron ? C'est une prise, en tout cas, je pense que c'était surtout le but. Et je constate que c'est une politique très libérale. C'est au même moment où il supprime l'impôt sur la fortune qu'il recrute un député socialiste. Ça veut dire qu'il se recentre ? Ça veut dire que ce gouvernement se recentre à gauche ? Non, je pense que c'est surtout très politicien. C'est-à-dire, la politique est très libérale. Ça se voit dans les sondages, d'ailleurs. Il y a un sujet avec l'électorat de gauche qui est certainement le plus mécontent de la politique du gouvernement. Donc, il fait rentrer un député socialiste. Je vais vous dire une chose. Si la volonté d'Emmanuel Macron tout au long du quinquennat, c'est de faire du débauchage, une fois à droite, une fois à gauche, trouvera toujours des opportunistes. Ça se poursuivra, vous pensez ? Ça va se poursuivre à gauche ? S'il le souhaite, il continuera à faire des propositions et trouvera toujours tel ou tel homme ou femme politique pour s'y prêter, que malheureusement. Vous qualifiez comment ces hommes et femmes politiques pour s'y prêter à gauche c'est de l'opportunisme ? Oui, purement. La preuve, c'est que quelques jours avant, Olivier Dussopt votait contre le budget et avait posé une question tout à fait dur au gouvernement. Je pense d'ailleurs que ça a une conséquence qui est grave et qu'on ne mesure pas, c'est que ça donne le sentiment aux Français que la soupe est bonne et qu'il n'y a que ça qui compte et qu'il n'y a aucune conviction politique. C'est la valeur de la parole politique qui est aussi en cause. J'espère qu'il n'y aura plus de socialistes pour se prêter à ce jeu du débauchage, mais comment en être sûr ? Et pourtant, d'ailleurs, Rémi Féraud, le président, vous êtes sénateur socialiste de Paris, le président du groupe socialiste au Sénat, Didier Guillaume, a approuvé le fait que Olivier Dussopt rejoigne le gouvernement. Il lui a souhaité bonne chance et il a dit que c'était un bon point pour ce gouvernement. Demain, vous avez une réunion de groupe classique au Sénat. Vous allez demander la tête de Didier Guillaume ? Non, mais nous allons avoir un débat politique. La prise de position de Didier Guillaume n'était pas nécessaire. Il est président d'un groupe où il y a deux positions relativement équilibrées dans le rapport de force au sein du groupe entre ceux qui, comme moi, souhaitent être clairement dans l'opposition et ceux qui veulent pouvoir plutôt voter au cas par cas et ne pas se positionner aussi clairement. Je vois aussi que l'évolution de la politique du gouvernement a rendu, y compris ces sénateurs socialistes qui étaient dits constructifs, plus durs aujourd'hui sur la politique du gouvernement. Didier Guillaume a été élu dans le cadre d'un compromis qui dit que nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle. Donc c'est ce compromis qu'il brise lui-même là, mais ce n'est pas pour ça que sa présidence est remise en cause, à moins que lui-même souhaite faire d'autres choix. La différence quand même, je veux dire avec Olivier Dussopt, c'est que Didier Guillaume lui-même a toujours dit qu'il ne souhaitait pas se positionner, être dans l'opposition au gouvernement. Donc il n'a pas varié, il n'a pas changé d'avis. Ce qu'il y a, c'est qu'il est président d'un groupe qui est composite, où nous sommes très nombreux à avoir été élus pour être dans l'opposition, pas une opposition bête et méchante, pas une opposition pour voter contre tout, mais dans l'opposition. Et il y a besoin d'une opposition. D'ailleurs, sinon, c'est Mélenchon qui l'incarnera. Donc voilà, je regrette vraiment sa prise de position, mais on va avoir un débat politique. Ce n'est pas une question de règlement de compte. En même temps, les Français, les Français de gauche, ils ne doivent pas y comprendre grand-chose. Le Parti socialiste, la rue de Solferino, ce qu'il en reste, demandait une opposition franche et directe à Emmanuel Macron. Vous avez un président de groupe qui ne souhaite pas être dans l'opposition. On voit que vraiment les socialistes sont divisés. Est-ce que le Parti socialiste peut renaître de ses cendres ou vous craignez vraiment aujourd'hui pour la survie du PS ? Il peut renaître de ses cendres, mais ça n'est pas garanti. Et d'ailleurs, je pense que la stratégie du président de la République, c'est justement de l'empêcher de renaître de ses cendres. Parce que, visiblement, ça inquiète un peu pour l'avenir. Donc j'espère que nous y arriverons. Je ferai partie de ceux qui travaillent pour y arriver. Mais rien n'est assuré. La survie du PS à terme, elle n'est pas assurée. C'est pour ça qu'il faut, d'ailleurs, pour les socialistes sincères qui restent au Parti socialiste, qu'ils soient attentifs à garantir cette survie. Ensuite,
Le groupe socialiste au Sénat, il a toujours voulu se situer de manière très autonome par rapport au parti. Je pense qu'il faut que nous changions, et, alors que ce groupe est devenu… Plus d'unité. Ben, il faut qu'il y en ait davantage, surtout, mais plus de proximité avec le parti lui-même après le congrès, qui élira un mot sur le congrès, on avance. Najat Vallaud-Belkacem s'interroge. Elle est soutenue par une nouvelle génération du Parti Socialiste, on peut les appeler comme ça, d'Olivier Faure, le patron, justement, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, des grands élus aussi la soutiennent. Vous lui apportez votre soutien? Vous attendez qu'elle se déclare? À l'heure d'aujourd'hui, je ne soutiens personne et je ne mets de veto sur personne. Vous allez me dire, c'est de la langue de bois de dire les idées d'abord. Mais à ce stade, il faut quand même que nous parlions des idées dans les idées, dans le projet. Il faut que nous parlions de la stratégie. Comment nous situons-nous dans ce quinquennat, justement, pour être clair? Et puis, il faudra que nous ayons un dirigeant ou une dirigeante. Donc moi, je ne mets de veto sur personne. Mais pas de blanc-seing. Mais de blanc-seing à personne non plus. Rémi Féraud, cette semaine, le gouvernement présente en Conseil des ministres un projet de loi sur le droit à l'erreur, notamment qui va permettre aux particuliers, s'ils déclarent leurs erreurs, d'avoir moins de pénalités. Il y a un problème de confiance avec l'administration française ? Mais on a une administration qui est lourde, qui peut paraître tatillonne pour les entreprises ou pour les particuliers. J'ai vu les propos et propositions de Gérald Darmanin. Souvent, on en reste au niveau un peu de la communication politique dans ce genre d'affirmation. Donc, nous verrons bien les mesures concrètes qu'il y aura dans son projet. Je ne lui accorde pas plus d'importance que cela. Je ne pense pas que ce soit un grand chantier, une grande révolution qui se prépare. Et puis d'ailleurs, il faut faire attention aussi. On parle souvent de la fraude. Il faut faire attention à tous les niveaux. Mais si le gouvernement souhaite simplifier des démarches et que le droit à l'erreur permette aux Français de rectifier leurs erreurs sans en subir la pénalité, voilà, nous pouvons être ouverts sur ces propositions, nous les regarderons attentivement. Il faut faire attention aussi, je vois que le gouvernement, pour noyer un peu le poisson et ne pas attirer l'attention sur notamment le cœur de son projet qu'il met en œuvre, lui. C'est-à-dire une politique qui est quand même très favorable aux plus aisés des Français. Et sort quelques... Voilà, vous voulez dire le droit à l'erreur, c'est un petit gadget pour noyer le poisson? Pour le moment. Une politique libérale, c'est ça votre propos? Je pense que ça peut rester un gadget, oui. Et que c'est au-delà d'un projet de loi, ça nécessite une action vraiment dans la durée, qui a d'ailleurs été entamée par les gouvernements de François Hollande, mais sans que les conséquences se fassent voir. On verra ce qu'en dit Olivier Dussopt, puisqu'il va être chargé de la fonction publique au gouvernement. Une dernière question. On sait maintenant, depuis quelques jours, Matignon l'a un petit peu officialisé, notamment pour des raisons d'agenda, que le rapport sur Notre-Dame-des-Landes est reporté sans doute au 6 ou 7 décembre. Est-ce qu'il y a une position claire du Parti Socialiste? Est-ce que vous souhaitez l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou au contraire, enfin, la construction de cet aéroport? Il n'y a jamais eu de position claire du Parti Socialiste ou très claire sur ce sujet. Ça a été un serpent de mer tout au long du quinquennat précédent. À titre personnel, je pense que ce projet aujourd'hui n'est pas, je dirais, politiquement raisonnable. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants du dossier. Je dirais qu'il n'est pas politiquement raisonnable. Mais, vous souhaitez son abandon? Oui. Je pense que l'aéroport ne se fera pas. Et ceci dit, il y a eu un référendum en Loire-Atlantique où le oui l'a emporté. Donc c'est une vraie difficulté politique. Mais je pense que ce projet aujourd'hui n'est pas raisonnable. Merci beaucoup, Rémi Féraud.